Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Funkies. Aujourd'hui, on va vous présenter le quatrième épisode de la transformation de la Harley Davidson. C'est parti! Ah, ça va couper! Le problème, c'est que oui, il faut pas que ça avance, quoi. Ah ouais. Ouais. Faut pas que ça vienne que le guidon vienne à tourner ou quoi, parce que là, on a non plus. Bah, c'est sur ces cales-là, ça va être compliqué. Ouais. Est-ce qu'on a tiens, là, voir, je vais juste essayer un truc. On va mettre la roue. Ouais. On met la roue en premier. On met le cale roue et après, on. Hein Ouais. C'est mieux. Parce que t'as raison, parce que si on soulève l'arrière et que tu veux mettre le clic, si bah ça, ah ouais, ça va tout pousser. Catastrophe. Putain. Pas mieux de la foutre par terre, non, quand même. Bah, on est à hauteur. Voilà. Ouais, c'est plus facile de mettre la roue à hauteur. Hein. Ça y est, c'est enfin l'étape cruciale où on monte la moto sur ses roues. Donc la roue arrière était déjà montée. Là, on va monter la roue avant pour pouvoir en fait prendre les mesures des amortisseurs arrière, parce que du coup. Forcément, on a une fourche qui est beaucoup plus haute que celle d'origine, avec une roue aussi plus grosse. Là, on est sur du 19 pouces à l'avant, et bah, la moto va avoir un look plus ou moins chopper. Donc maintenant que la moto est sur ses roues, on n'en a pas trop chié encore, hein, ça va. Hein. Il parle jamais ce mec, c'est un truc de fou. Donc maintenant qu'elle est sur sa roue avant, on va pouvoir prendre les mesures pour les amortisseurs arrière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ça picote un peu hein, ce que t'as dans ton bar là, je sais pas ce que c'est mais c'est pas mauvais mais ça brûle. Donc on a un petit peu galéré hein, pour pouvoir la mettre, pour pouvoir soulever l'arrière, donc on a utilisé un cric avec des cales et on a essayé d'avoir l'assiette la plus horizontale possible pour vraiment avoir une horizontalité parfaite. Donc on a les sabres arrière qui sont au niveau parallèle au niveau du sol. Donc là c'est vraiment nickel et on a utilisé des tasseaux en bois et on est sur une dimension de 450 mm. Donc voilà, on va avoir des amortisseurs YSS sur mesure à gaz de 450 mm de long. Et là, je sais pas ce que t'en penses, mais ça va être sympa. Hein. Je sais pas ce qu'il pense. Mais bon, je pense que ça va être bien. Hein. Jam. This is our jam. Ooh.
Attendez, je crois qu'il tombe le masque. Bah non en fait. Cette vidéo est à présent terminée, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des dernières vidéos. En tous les cas, je vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. L'acétone, t'as fait un drôle d'effet, toi, non? C'est un peu bizarre. Ouais. Allez. Et encore, j'ai pas mis ma main dedans. Mettez-nous un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-nous un commentaire aussi pour nous poser toutes les questions que vous voulez. C'était Thibaut, Florian et Lionel des French Monkeys. Ciao, ciao! Baby, get hyped to the beat, let's go, 'cause this is our jam, this is our jam.